Bien, salut à tous, ici Chromy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la suite de cette deuxième semaine de la Ligue des Explorateurs sur Hearthstone, bien évidemment. Et nous allons eh bien, nous rendre directement dans la Ligue des Explorateurs et faire les défis de classe. Nous avons débloqué eh bien, deux nouveaux défis cette semaine, qui sont eh bien, les défis du druide et du paladin. Et du coup, nous allons avoir un deck préconstruit à chaque fois. Un deck préconstruit druide, un deck préconstruit paladin. Et du coup, nous allons commencer par le druide avec un nouveau duel. Saurez-vous vaincre le boss en utilisant ce deck spécial de druide? Triompher de lui et empocher une carte de druide. Et du coup, nous allons affronter eh bien, le chef Scravash des Trogs. Avec un deck druide, eh bien, on va bien voir parce que ça fait. Je joue très rarement en druide. C'est pas une classe qui m'intéresse énormément dans Hearthstone. Voilà, je n'aime pas trop le druide. Donc du coup, je ne joue pas, oui. Donc ça a changé un petit peu pour une fois. Du coup... Oui, que pour Trog. Donc du coup, on va se taper ce petit Trog. Alors nous avons une 8-8 pour 8. Diablosaur fossilisé. Gagne provocation si vous contrôlez une bête. Non, ça on va ranger aussi. Et on va garder le scarabée. Bon, le petit scarabée. Petit scarabée, ça peut être pas mal le petit scarabée. Ça peut être pas mal. Alors on a 2-3-3. Détruire un serviteur, ajoute un serviteur aléatoire dans la main de votre adversaire. Voilà. Très bien, donc du coup, tour suivant, on va utiliser cette petite carte. Ok. Alors du coup, oh, un Sélénia de la jungle. Oh, Sélénia, poulet. 4-4 pour 4. Chaque joueur a plus 2 aux dégâts des sorts. Ouh, c'est fort, mais le passif peut être à double tranchant. Du coup, on va mettre le petit scarabée. Et du coup, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre? Ah, le golem. Le golem, il est bien. Gagne plus de sur un serviteur qui dégâts des sorts. On pourrait prendre la maîtresse de cérémonie. Mais il faudrait la jouer genre tour 5, c'est un peu tard. Et on a la croisée écarlate. On va prendre le golem, je pense. Prendre le golem. Oh, plutôt pas mal. Pas mal du tout. Pas stupide. Ouais. C'est la mort. C'est la mort. Alors du coup... Du coup, on va faire ça. Et on va attaquer. Et on jouera... Qu'est-ce qu'on jouera prochain tour? C'est quoi ça? Le plus 2 d'attaque à votre héros pendant ce tour. Ah, ça peut être pas mal ça. On va jouer ça, tiens. On va jouer ça. Et donc du coup, au prochain tour, on pourra éliminer le Trog et pour éliminer ça aussi. On pourra éliminer pas mal de petites choses, je pense. Du coup, on va voir serviteur ou un sort. Alors déjà, on va faire ça. Déjà. Hop, le pouvoir s'enclenche. On a donc plus 3, ça c'est cool. J'ai éliminé ça. Éliminer ceci. Et on va faire ça. Alors on découvre un serviteur ou un sort. On va découvrir un sort, tiens. Recyclage. Science du fauve. Ah, j'hésite entre la puissance du fauve ou la racine vivante. Puissance du fauve, tiens. Puissance du fauve, et du coup, on va placer une panthère 3-2. Ça me semble plutôt pas mal. Voilà, ça me semble plutôt pas mal. Ça me semble plutôt pas mal du tout. Elle est pas mal cette carte, j'aime beaucoup. Ah non, on ne détruit pas. Ah, c'est dégueulasse. Oh, je suis terriblement déçu. Ça, c'est pas mal ça. Pas mal du tout. Alors, on va placer ça. On va éliminer ceci. Et on va mettre ceci. On va le mettre en forme de panthère, donc elle sera 3-2. Pas mal ça. Bon, pour l'instant, on gaspille pas mal de cartes pour pas grand chose. Et là, ça commence à être embêtant. Alors, du coup. Qu'est-ce que je peux jouer? Pas grand chose, j'ai l'impression. Euh...
On va détruire ça. Mais du coup, ça va lui donner la carte, si c'est embêtant. Et je vais la tauntifier. Tauntifier cette carte-là. Et je vais attaquer directement. Voilà. On va attaquer. On va attaquer, on va bien voir. Il est temps que je fasse quelques petits dégâts. Une bête? Une bête. Secret de chasseur. Pas bon. Utiliser un météore pour ça, moi je veux bien, c'est pas un souci. Alors, on va prendre une petite carte à 3 encore une fois. Alors, exaltation, renvoie ce vecteur dans votre main. Ouais. Subis un point de dégâts. Chaque fois que. Ah, j'ai bien envie de prendre ça plutôt. J'étais tenté de prendre Fiola, je sais pas quoi là, mais. Oh, c'est un. Hein? What? C'est quoi ce piège? On inflige chaque point de dégâts à un adversaire aléatoire quand un pouvoir héroïque adverse est utilisé. Waouh! Mais c'est pété! C'est trop fort. C'est beaucoup trop fort ça. Ah là, par contre, c'est un peu embêtant ça. Ça, c'est un peu embêtant. Oh, ça, c'est plutôt embêtant aussi. Oh, c'est encore embêtant ça. Oh, c'est toujours embêtant ça. Ok. On va piocher 3 cartes. Ah, météore. Ah, le météore, il est pas mal, mais pas assez de trucs. D'accord. On prendra le météore, je crois, au prochain tour. Hein. Oh, ça coûte cher. Oh, ça coûte très cher. Tous les autres adversaires à ce moment-là ah à tout oh attends. Réfléchissons bon, oh, j'ai pas le choix hein, de faire ça hein. Voilà. On perd des points de vie. Hein. On n'est pas très très bien embarqué. Qu'on fait plus en plus de temps, ça va être blessé. Oh, 65-8. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Ah, j'ai pas le choix. Hein. J'ai pas le choix. Alors je vais faire ça. Hop, on va faire ça. Oh non! Oh c'est dégueulasse! Oh, je peux plus attaquer du coup. Oh, je dois faire ça! Oh putain, la survie! Oh, et je le sais en plus qu'il a ça, je suis trop con. Il me faudrait un truc qui soigne. Oh, c'est une bête, mais. C'est une bête, mais il va m'attaquer. Ah! Enfin, moi que. S'il ne m'attaque pas, tant mieux. Il chope la malédiction ancestrale, mais bon, tant pis, c'est pas conséquent. Attaque le Sélénia. Non, attaque le Sélénia, t'es une IA débile. Oh là là. Bon, c'est pas très grave. On va recommencer. On va recommencer. On va voir ce que ça a donné. Ouais. Ouais. J'aime pas le druide. J'aime vraiment pas le druide. Mais bon, pourquoi pas. Bonne défaite, hein, ça fait plaisir. Ah oui, t'as vu. Voilà, paix. Voilà, paix. Je vais remballer le tout.
Ah, mais à mon avis, le sélénien plus le météore, j'aurais dû faire ça en fait. Oh oui, 3-7-7. Oh putain. Mais t'es sérieux? Sauvagerie. Non. Qu'est-ce que tu veux que je foute avec ça? Ok. Alors, ah, ça je peux jouer ça. Ça je peux jouer, c'est cool. Petit crapaud énorme. Il inflige un point de dégâts quand il décède. Non mais t'es sérieux? C'est effarant. Oh oui, tiens, jouons ça. Ah, c'est bien. Et les cartes coûtent moins cher, hein, donc c'est cool. Ça, tour suivant, je peux la jouer. Non, je peux pas la jouer. Hein. Je peux pas la jouer. Par contre, ce que je peux faire, c'est... On peut faire un petit météore. Zbra! Petit météore à 4. Ah, c'est de la bonne strat, ça. Ça, c'est de la très bonne strat. Alors, du coup. Nombre de Naxxramas. Non, mais nombre de... Ancienne, pardon. Nombre de Naxxramas, rien à voir. Du coup, je vais pouvoir jouer... Ah, j'ai joué ça, tiens. On va éliminer ça, tant pis, c'est pas très grave. Alors, comment ça, il fait des dégâts? On est un petit peu mieux embarqué que dans la partie précédente. C'est pas encore top top, mais ça peut aller. Non, pas le feu stellaire. Oh là là. Et en plus, il pioche une carte, du coup. Et c'est la malédiction, donc ça lui fait 7 points de dégâts. Et bien, bien fait pour toi, petit IA. Très bien fait pour toi. Alors, du coup, on a une bait. On a une bait. Ouais. Bête, et du coup, moi, je jouais ça, une 6-6. C'est une bête, ça. C'est pas une bête. Tour suivant, potentiellement, je peux faire la bête, ça qui sera à 3. Je pourrais peut-être jouer un truc supplémentaire, peut-être. Peut-être. Alors là, c'est sûrement le piège qui fait chier. Donc non. Alors, je vais faire d'abord ça. Hop, qu'est-ce qu'on a? Seigneur de la mort. Ah, ça c'est bien. Toucher guérisseur, je vais le prendre au cas où. Hop, on va mettre ça en plus. Oui, découvrons un serviteur. Découvrons un serviteur. Et on va prendre le mécano amplificateur qui fait plaisir, bien évidemment. Et on va éliminer celle-là. Alors, potentiellement, la petite furie des vents peut faire plaisir. Hein. Oh non, 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 non. Oh, il est sérieux, lui, avec ses trucs. Très casse-couille, hein. Très très casse-couille. Alors, oh, fais-moi plaisir. Fais-moi plaisir et donne-moi une furie des vents. Ouais, c'est pas top top, hein. C'est pas top top. Alors, 6. Alors, si je mets ça, ça va faire 3 et 3. Ça fait encore une fois 6, donc ça fait... Non, c'est pas top top. Je vais lui mettre ça. Un petit plus 4. Et bim! C'est marrant comme une partie à l'autre, ça va beaucoup mieux. C'est un petit peu dommage d'ailleurs que ça se passe comme ça. D'ailleurs, du coup, c'est gagné. Voilà, c'est gagné. Parfait. Très content. Ah, je pourrais taper un météore. Non, on va faire ça. Voilà. Allez hop. Alors du coup, qu'est-ce que je peux faire? Je peux faire ça. Je peux faire ça. Et à moins 11. Zbra! Ah ben voilà! Petit défi du druide qui s'est plutôt bien passé au final. Première partie un petit peu compliquée. Deuxième beaucoup plus simple. Et du coup, on débloque une carte druide. Le raptor de monte. Pardon, pas le raptor, le raptor de monte. Une 3-2 pour 3 qui a un râle d'agonie. Invoque un serviteur aléatoire coûtant un cristal. Un cristal. Il y a pas mal de trucs à un cristal quand même. Il y a pas mal de trucs à un cristal, je pense.
On va juste regarder vite fait ce qu'il y a en cristal, mais il me semble qu'il y a pas mal de petites choses sympathiques. Hein. Ouais, hein. Non, déjà, là, il n'y a rien, mais ouais, une brave archère, un loup, tisseuse, un worm. Trop de secrets, beaucoup trop de secrets. Bombardière, une claire, ouais, il y a pas mal de petites choses. Hein. Oh, boucanier! Oh, petit boucanier, un trog, un diable de poussière. Pas mal de petites choses. Hein. Hop. Bonne petite carte quand même. Il y a bonne petite carte en 1 quand même. Des bonnes petites cartes en 1. Moi, ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Il n'y a pas de petites choses à faire avec une carte en 1. C'est sympathique. Ah, le défi est débloqué. Oh, le bras de fer est débloqué. Oh. Alors, quand j'ai commencé cette vidéo, il était marqué dans 1 heure. Donc, du coup, eh bien. Bah, du coup, il nous reste. Je ferai peut-être le défi juste après. Peut-être bien. Peut-être bien. Histoire de. Du coup, nous allons faire le défi du paladin. Petit défi du paladin. Et vite fait, bien fait. Pour débloquer bah, une carte paladin. Alors, j'ai. Du coup, c'est pas le piège. C'est pas le secret vu que je l'ai déjà. Ça pourrait bien être. Qu'est-ce qu'on a vu en paladin qui serait pas mal là-dedans? Ah, la bazar, celle-là, gardienne d'Uldaman. Voilà, j'ai pensé à ça. Mais d'avoir maintenant. Ça va être pas mal ça. Bah, je vais ranger ça et ça. On regarde le vengeur, on le mettra tour 1. Non, pas le temps, hein. On le mettra tour 1, c'est plutôt pas mal. On le mettra tour 1, je pense. Hop. Le jeu nous dit, mais le venger. Pas de problème. Donne plus d'attaque à un serviteur allié. Et je vais clean un petit peu ça. Hop. Alors, deux doubles statues. Un secret du paladin. Ça pourrait bien être le secret du paladin. Arrêtez de me piquer. Tu vas remettre ça en plus. Hop, on va mettre un petit soldat et on va peut-être un venger peut-être. C'est pas une rédemption, c'est pas un venger, c'est pas un truc alternatif là. Donc plus en de provocation de serviteur, pas de problème. Oh, je sens que je vais faire un truc exceptionnel. Je pense que je vais faire un truc exceptionnel, ce qui va être. Personne ne volera nos secrets. Je vais mettre sur ça. Alors pourquoi je le mets sur ça? Ah! C'est l'épreuve sacrée, d'accord. C'est pas très grave. Oh, mais j'ai pas le venger du coup. Bon. Pourquoi je le mets là-dessus? Tout simplement parce que j'ai 3 statues qui va sûrement utiliser son pouvoir qui va détruire les statues pour infliger des dégâts. Donc du coup, je préfère garder mes statues. On peut toujours servir. Hop. Juste un plus un. Ouais, c'est pas trop grave. Détruit tout serviteur. Ah, ça c'est embêtant, ça. Ça c'est embêtant. C'est très embêtant. Quoique. Quand vous avez cette carte en main, gagne plus de. Au combat! Vous avez été déconnecté de votre partie? Mais comment est-ce possible? Mais du coup, nous allons attendre. Ça, c'est le moment où tu te dis, mais pourquoi? Et c'est ça qui est embêtant, c'est que cet enjeu, entre guillemets. Là, c'est un mode de jeu offline, on va dire. Et malgré tout, eh bien, on est obligé d'être connecté, eh bien, au serveur du jeu pour pouvoir jouer. Et ça, c'est plutôt embêtant. Je vais regarder vite fait si je suis réellement bien déconnecté. Oh, je suis en ligne. C'est ça qui est embêtant, c'est que je suis en ligne. Impossible de vous reconnecter à votre partie. J'en suis bien déçu. Du coup, nous allons devoir recommencer et ça, c'est très embêtant. Surtout qu'en plus, je suis connecté. C'est ça le pire, c'est que je suis connecté. Je suis connecté, je peux lancer la partie. Je suis pas déconné. Bon, on va.
Je comprends pas, je vérifie quand même si je suis bien connecté complètement. Mais oui. Oui, je suis sur internet. Je suis sur internet donc. Là, je suis sur Twitter, donc si je suis sur Twitter. C'est un peu embêtant, quoi. Enfin. Écoutez, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. Oh, nous avons Sir Finlay Blarton. Découvre un nouveau pouvoir héroïque de base. Bah go! Un murloc? Alors, confère 2 points l'armure, invoque un totem aléatoire ou équipe une dague en 1. 1-2. Oh, le gain d'armure. Oh, je vais me faire plaisir, moi. Oh, c'est un murloc en plus. Oh, c'est un murloc, c'est exceptionnel. Je sens que les decks murlocs vont réapparaître. Ça va être exceptionnel. Exceptionnellement bien. Du coup, nous allons placer ça. Hop, là-dessus. Hop. Et tour suivant. Tour suivant. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Tour suivant. Je vais peut-être mettre ça. Et éliminer. Ouais, je vais faire ça. Et éliminer son serpent de Pacotille. Hop. Ah, ça ne me tue pas, hein. Non, ça va. J'ai hésité pendant la saison. Je me suis dit, mais ça va me tuer. Ça va me tuer, crétin. Mais non, non. C'est les serviteurs, bien évidemment. Les serviteurs, comme il est noté, détruit tout serviteur blessé par ce truc. Et c'est pas mal, ça. C'est pas mal, du coup, ça me donne des points de vie. C'est plutôt agréable. C'est plutôt agréable. Du coup, on va faire ça. Et on va commencer à péter un peu le tout. Voilà, hop. On attaque, on attaque. Voilà. Ah, du coup, on est fâché. Hein. On a été déconnecté, on est fâché, on n'est pas content. Ça ne va pas. Et du coup, on met plein de points de dégâts. Et ça, c'est pas mal du tout. Un sergent grossi. Un petit sergent grossi. On va mettre ça. Alors, ce qu'on va faire, c'est que. On va se mettre 2 points à l'armure déjà. Paladin. Ensuite, on va éliminer ceci. Ensuite, on va éliminer ça. On va éliminer ça. Et on va attaquer. Ça se transforme en zoo là. Par contre, on a 4 cartes. On a 4 statues. Là, il y en a 6 du coup. Est-ce que. Voilà. Inflige un point de dégâts. Sûrement. Évidemment. Du coup, je n'ai plus de cartes. Et ça, c'est très embêtant. Mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va mettre le petit gardien d'Anubis, je pense. Comme ça, un peu pas mal. Petit gardien d'Anubis. Ouais, on va mettre ça. Et on va attaquer. On va commencer à attaquer. Pas enfin, commencer, on a déjà bien entamé, bien évidemment. Mais on va continuer plutôt à attaquer. C'est ça que je voulais dire. Un secret du paladin. C'est sûrement le même que moi, de secret. Je vais le laisser. Oh, quoique. Oh. Mais naturellement. Faut que je fasse ça. Faut que je fasse ça en plus. Ça me semble pas mal ça. Ça me semble pas mal. J'aurais pu faire pi. Oh, c'est très gentil ça. Ensevelir, je suis un serviteur adverse et la place dans votre deck. Oh. Ça, c'est pas très sympathique ça. Pas très sympathique, mais tant pis. Ah, alors, on passe une double provocation. Est-ce qu'on tape un chef de raid? Non, on va se la faire éliminer parce qu'il va faire. Ouais. Il va le détruire. Bah oui, on va faire ça. Et on va attaquer. On va continuer à attaquer. Voilà, il a 9 points de vie.
Il a 9 points de vie, c'est plutôt pas mal. Ne le détruit pas. Personne ne volera nos... Et blim! Dégage. Dégage, Uldaman! Dégage, la gardienne. Et là, du coup, on n'a plus les points de vie. Et ça, c'est très embêtant. C'est très, très embêtant. Confère puissance d'attaque et bouclier diva. Bah, écoute. Désolé, hein, ma pauvre Lucienne, mais... Du coup, c'est terminé, voilà, on a été vexé, hein, la déconnexion, c'est pas bon, je suis pas d'accord. Bref, nous avons fait ce défi paladin, nous avons terminé. Ce qui fait grave plaisir, nous avons la gardienne d'Uldaman, fait passer l'attaque et la vie d'un serviteur à 3. Très bien, bonne carte, ça a l'air vraiment une bonne carte je trouve. Et du coup, eh bien, nous avons débloqué toutes les cartes de la semaine. Donc nous allons aller voir un petit peu ce que ça donne au niveau des cartes, la Ligue des Explorateurs. Du coup, nous avons débloqué une carte druide, le Raptor de Monte, très bien. En mage, l'Adjurateur éthérien. Nous avons débloqué la gardienne d'Uldaman en paladin. En prêtre, nous avons le mal déterré. Nous avons eu quoi d'autre? Le Raptor déterré également en voleur. En chaman, on a eu le Troc des tunnels. Lors du premier truc, nous avons eu la chercheuse de reliquaire en démoniste. En guerrier, nous avons le singe féroce qui n'est pas une mauvaise carte. Hein. Nous avons débloqué Bran Barbe de Bronze, la légendaire de cette deuxième semaine. L'araignée des tombes en normal. Et c'est tout. C'est tout. C'est déjà bien déjà. C'est déjà pas mal. Donc du coup, pas mal du tout. Du coup, normalement, la prochaine aventure devrait sortir. Eh bien, j'espère demain. Ce serait cool demain. Ce serait vraiment cool. Bon, du coup, à ce moment-là, si elle sort demain, je vous ferai peut-être... peut-être un truc différent, quoi. Je vous avais promis des vidéos pour samedi, mais... C'est pas trop. La musique est épique, en tout cas. Et ça, c'est bien. Sortie de l'aile. Paf. 13 novembre, 20 novembre, le 4 décembre. Donc ça sortira, eh bien, jeudi. Non, vendredi. Vendredi, d'accord. Et on aura le hall des explorateurs le 11 décembre. Ah, donc c'est étalé sur 4 semaines. Donc du coup, on aura la ville en ruine vendredi. Et le hall des explorateurs la semaine prochaine, le 11. Très bien. Très bien, donc il faut, oui, c'est une semaine en plus, mais il faut avoir débloqué les trois semaines, les trois ailes les précédentes. D'accord, très bien. Eh bien, déçu, je pensais faire finir l'aventure eh bien cette semaine. Eh bien non, on ne finira pas cette semaine, on le finira eh bien, la semaine prochaine, mais ce n'est pas très grave. Donc du coup, eh bien, samedi, vous aurez, si je ne dis pas de bêtises, du coup, la vidéo. Qu'est-ce que j'ai mis pour samedi? J'ai mis qu'il y aurait du Heroes of the Storm. Peut-être qu'on se fera du Hearthstone finalement. On verra bien. Bref, en tout cas, si vous voulez voir le planning, il est disponible sur Twitter, sur Facebook. Je vous l'ai mis, eh bien, sur les deux réseaux sociaux, bien évidemment. En attendant, moi, je vous laisse ici. Merci à vous d'avoir suivi, eh bien, cette petite vidéo sur les défis de classe 2, eh bien, de cette Ligue des Explorateurs. Je vous retrouve, eh bien, du coup... Ce soir, non, pas ce soir, vous allez avoir la vidéo jeudi, demain en live pour du speedrun, vous aurez du Hearthstone samedi avec la suite de la Ligue des Explorateurs, soit en VOD, soit en live, on verra ça. Je vous demanderai peut-être votre avis justement sur Facebook ou Twitter pour savoir ce que vous voulez avoir samedi. Et en attendant, bah, je vous laisse ici, donc merci à vous et je vous fais des bisous, à bientôt, ciao ciao.